DJ Jean-Tel Joseph, nous content gagner. Oui, matin en ami vérité Radio Télé Éclair. Bonjour, comment vous êtes? Moi j'aime tout. Moi content avec nous. Et grâce à Dieu nous en forme. Et n'a salué monsieur Delfort et monsieur Vladimir. N'a profité pour nous saluer tout auditeur, auditrice et internaute qui branche l'émission en matin. Donc, moi content avec nous pour nous faire un petit bas de bouche sur problème pays. Bon, et nous-mêmes, nous sommes contents de rejoindre nous pour matin là, parce que là, nous sommes obligés de chercher ou à baleine, nous connaissons. Parce que là, je nous débarquer dans la ville là hier, gros annonce faite. Bon, on connaît micro vérité, nous dit faut chercher qu'on est qui ça bagarre là hier. Qui côté nous dans minute ça par rapport à gros annonce qu'on fait hier, bataille a changé phase et là c'est deuxième phase là. Qui ça deuxième phase là? Bon. Et monsieur Delfort à tout le monde capitaine de nous dans l'émission ça m'a dit nous que ça fait plus de 3 mois côté que coup d'envoi pour révolution nous te bailli. Et moi, après, dans le micro, moi, t'ai expliqué où, dernièrement, que la bataille que nous avons fait, c'est une bataille qu'on a fait contre le système. Oui, oui. Ce n'est pas une bataille qu'on a fait contre des mondes et des personnalités. Parce que nous sommes tous d'accord aujourd'hui. Hein? Pour ce pays arrivé, j'aime t'ai suivi une analyse que tu as fait là, on avec M. Vladimir. Pour ce pays arrivé, il est dépassé. Et intelligence certains monde t'a gardé problème yo au premier degré. Moi pense que c'est une situation qui vive loin côté que toute bagaille dans pays écrasé plate. Et nous pas gagné une institution qui debout dans pays hein. Dernier ça qui était à là c'est la Cour des comptes. Oui. Lui même connait aujourd'hui là l'écrasé. Donc, c'est-à-dire, nous, mon pays, côté n'a évolué en dehors de la loi. Donc, c'est-à-dire, si nous n'avons pas de loi, nous n'avons pas de constitution, et puis nous disons son pays nous gagne, mon cher, si nous n'avons pas intelligent, pour nous comprendre, c'est tout un projet. Ça, côté nous, il est là, c'est aboutissement, tout un projet, pour mettre connaître, mon cher, nous pas faire politique, nous pas penser. C'est vrai, j'en ai entendu dans l'émission. Là, un pays descend dans le niveau ça, c'est responsabilité élite, principalement politique. Hein, ah oui. Il faut prendre responsabilité en main pour adresser le problème là. Mais il faut comprendre le problème là. Ça m'a gardé là, ou même M. Delfort capable de comprendre tout, avec M. Vladimir, que bien de monde, bien des acteurs qui ont plus le monde qui ont confiance dans eux, dans le pays, il y a des pensées, c'était des gens qui étaient constitués réserve publique là. Mais nous gardons nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce qui est là. Nous comprenons. Soit nous choisissons et nous bon côté étranger pour nous aller pour nous tourner des collabos. Donc c'est là nous y est. Moi même ça fait mal en pile. Nous pas bon matin, il y a des gens qui nous déconne fréquenter qui s'est aimé dans la politique, nous peut penser que nous comprenons la réalité aujourd'hui. Ou bien tout le monde va venir comprendre tout. Alors, il y a des gens qui font choix. Oui, on a fait choix. Pour ne pas comprendre. Ou bien cacher la vérité par rapport à l'intention ou bien l'intérêt qui est dans ce qu'on a fait là. Moi d'accord avec vous, mais on est comme nous qui a choisi pour mener tête ou pour suicider tête. Oui. Quel que soit le monde, je dis, avant d'entrer dans la question posée une deuxième phase là, quel que soit le monde, je dis, qui choisit d'entrer dans le projet carré comme là, son acte de suicide qui est lié. D'abord, tout haïtien, quel que soit haïtien, il y a un sang nationaliste à Kaili, même si elle est loin. Je dis à moi, ouais, ça, avec un haïtien, nous avons la diaspora. C'est eux-mêmes, en plus, là, vous avez un intérêt, parce que vous avez bien l'autre bois, vous avez petit, vous avez étudié l'autre bois. Ou après, c'est eux, campé, qu'à tout, qu'un de là, il faut
bon bagay ki fèt pou peyi ya. Donc mwen menm ap di, matin an m ap gade dokiman, protokòl ke tout monsieur dam kolabo yo siyen. M pa bon manti dokte Nansem kòm moun k ap fè politik. Pou m gade pou des ayisyen, sou tè de Saline nan fon dokiman, yo voye l bay CARICOM pou aprouve. C'est grave, oui. C'est drôle. C'est grave, oui. Pour voir le bail CARICOM pour approuver. Tout le monde a regardé comment il t'attend, il t'a voué CV ou aller. Oui, bon, son job y a bas tout. Ok, son job y a bas. Eh bien, bah, c'est normal. Nous-mêmes, bataille pas nous, m'a dit pour tout auditeur, internaute qui branche nous, son bataille contre le système. Nous, on conseille, tu conseilles 7-9, ça n'a pas intéressé nous. Parce que nous connaissons des frais accès, nous, qui font être dans une situation difficile. Je dis, Mabdil, pas de un membre dans le conseil, ils sont deux films d'ailleurs. Qui a pris machine, nous, dans cette monde, pour sortir de Jonville de Saint-Delma, pour la population à parler chez eux. C'est pour acte de suicide. Ah bon? Ils sont gros bails, Mabdil, là, oui? Pas que yon nan map sa ou ki ka pran ki ka descend la sou Delma pou la son pa parler chez yo. Pa gen personne nan moun sa ou ta descend sot te chon vil pran machine yo. Rivan ba pou population sa ke mwen gon gen san de sa yon kap pran 20 yon kap descend. Ou pa kwe sa e yo pa tel tou. Pa kwe si de moun ki tap sukile normalman ki tap regle tout a fè yo. Ou nyan ki fon chwa ki mette yo nan kache. Mes amis. Est-ce que vous pensez que ça vous décide? Est-ce que c'est question pouvoir? Hein? Est-ce que c'est question pouvoir qui fait pour nous descendre au niveau comme ça? Moi-même, nous disons, nous sommes pour engagement, nous te disons que nous avons contre le système. Non? Et bien, tout ce qui a fait là, ce système-là, qui a essayé de reproduire tête lui, mais comme il y a une défaillance totale, et bien, je veux dire, nous avons porté tête au bail de nous. Maintenant, pour un petit temps, lorsqu'on fait référence à document Mandala, qui démontre que son transition de rupture, c'est son national qui a pris des décisions, il a parlé international qui a interféré dans l'affaire. Je dis à mon carré, mais qu'on est, ou carré, il tout bébé. Ou est-ce qu'il y a une carte de micro là, vous venez expliquer ce choix ça a fait, comment vous faites? Est-ce que son choix a fait pour vous, ou bien son choix a fait pour le pays? Eh bien, nous-mêmes, qui accompagne le peuple là, dans le cadre de combat qu'on a fait contre le système là, nous disons, comme nous sommes là, son job là, que nous faisons le job là, c'est que nous ne pas parler au nom du peuple là. Que nous faisons le job là, que nous suspendons, parce que le peuple haïtien a la bêtise. Que nous faisons le job là, que nous ne pas cracher sur le travail, que ça a fait dans le micro depuis longtemps. Et moi, je dis, au niveau réveil là, à tout sénateur Guy Philippe, pour toute équipe là nous dit, bataille ça va nous commencer. Il commence dans une courature. C'est un travail de sensibilisation qui fait. Ensuite, le peuple a motivé. Et le peuple a fait motivé, il faut que vous ayez des chefs de file. Il faut que des révolutionnaires viennent camper, comme moi je dis, il faut que des révoltés. Et bien nous-mêmes, nous avons assumé la responsabilité, nous avons accompagné le peuple là jusqu'au bout. Il te dit une deuxième phase là, qui s'allie. Oui. Ok. C'est question. Première phase là, c'est une phase d'organisation. Côté nous avons commencé avec le réveil national. Nous faisons appel avec d'autres structures politiques. Côté nous avons environ 150 partis à plusieurs centaines d'organisations qui viennent adhérer. Ensuite, nous avons une mission pour que nous fassions un travail d'éducation. Nous sommes passés 3 mois dans le Grand Nord. Nous sommes fait 3 mois dans le Grand Nord. Moi passé mon fait plateau central, mon fait nord-est, mon fait nord-ouest, mon fait la Tibonite. Et moi, j'en ai organisé tout près. Le sénateur Guy Philippe et son équipe, ils ont occupé au Digrancy, travail à la fête. Et le board réveil, la quitte militant, tout initiateur et 5 martiaux, ils ont occupé au Dél'Ouest là. Et bien, je dis, nous faisons ce pèlerinage national là. Nous avons assez de monde qui est motivé, qui comprend aujourd'hui pour qui ça y a goumé et pour qui ça y a goumé. C'est-à-dire, pour qui ça y a goumé,
c'est qui ça y a, qui ça y a vrai pour Haïti, et qui ça y a gommé contre système là. Donc tout le monde qui va comprendre ça. Je dis à nous, il y a une deuxième phase là, pour nous faire respecter ça y a les volontés populaires là. Mm-hmm. Parce que son adage, même bon, il y a plusieurs adages qui disent, c'est que Dieu, c'est que sa peuple l'a appelé, bon Dieu veille. Il y a un adage qui dit Vox Populi, Vox Dei. Et bien, sous base ça, nous-mêmes, nous croyons que le problème pays, il faut des gens qui ont une capacité, qui ont une poignette, qui ont une volonté, qui ont un dévouement pour adresser. Et nous croyons que nous avons une équipe à nous, qui est le sénateur Guy Philippe Akmenet. Nous avons une équipe à nous, côté que nous faisons appel avec nous dans tout secteur. Et nous parlons de plan, comme si nous mettions le monde dehors, en plan pour nous dire un tel là, pas la dame, un tel la dame. Mais, être là, lui-même, je dis à lui, dans le niveau, pour le bail canéa. Mais la fini, alors, ma fini petit parti ça pour nous, camarade Delphon. Moi-même, nous faisons un bon nombre de temps à penser à ma technique. Moi-même, j'estime que ça a passé là, son méthode d'élimination. D'élimination. Il a passé par méthode d'élimination. C'est une période où tu as gagné en il y a 7 groupes qui étaient présents dans la presse chaque jour qui pas un bon temps pour me résoudre, pour me parler des problèmes peuple là, qui pas un bail leader politique, monde qui a défendre cause là, il y a temps pour parler des questions nationales. C'est eux qui étaient toujours devant scène là. Mais je dis qu'on ça au fait. Ils blendent toutes, non, ils pas même font de tasse. Je dis personne t'a parlé de Montana, puis on va parler de Montana encore, on va parler de couleuvre cette tête. Personne n'a pas parlé de aucun autre groupe encore. Nous n'avons pas parlé de lui. Nous avons parlé de Caricom. Nous avons parlé de nous qui avons un job dans le Caricom. Je dis à vous, c'est Youn. Et tout le monde rend compte que pas de projet est livré. Et peuple là, moi-même, ça me content. Je dis à peuple là, ouais. Et ça fait à moi, je me dis, Nico, vous qui allez à l'école, lui fait philosophie, là, à l'université, lui fait doctorat. En dans la population, je ne connais plus l'équilibre. Je vois deux mondes qui aujourd'hui a une compréhension, des mondes capables d'analyser. Et bien, comme ça, toujours dit, par exemple, il y a des mondes qui prennent Nicolas là, qui font promotion pour la population. Il y a des mondes qui prennent. Mais nous jouons des Nicolas, une équipe pour là, qui tentait avec leur tour, qui défend une cause pays. Donc, c'est-à-dire, dans toutes circonstances, bon moment à priver, même si vous ne pouvez pas éliminer tout, mais la nature même, maintenant DG Jantel et alors nous parlons qui doit aller là de bon à l'improviste, nous gagnons rendez-vous tout à l'heure, nous allons parler avec Maître Peggy Jean pour nous finir. Jodi a ou annoncé deuxième phase là et ça qu'on pile monde d'abdi et Jantel Joseph Guy Philippe par Jean mette pied au terre, il y a pas des populations prend la rue. Jodi a ou sous béton hein, il y a nous on a conférence de presse avec journalistes ou dit on paquet gros causé et parmi eux ou annoncé deuxième phase bataille là censée commencer pour nous finir. Qui sa deuxième phase bataille là et qui côté nous yé dans minute n'a parlé deuxième phase là, c'est population en général qui mobilise. Ok? Et pour nous, avec objectif, pour nous faire respecter volonté populaire. Là. Deuxième phase, là, on pas trouvé un bon dans la manifestation. Ouais. Mais nous, qui ne connaissons pas, dit nous pas ta terre. Alors, c'est ça, oui, nous parlons de la République de Port-au-Prince. Là. Alors, on a parlé de révolution, on a parlé de changement global, et on choisit. Nous avons une manifestation dans presque tout le département. Et puis, pour nous dire que nous ne sommes pas à terre. À terre, pas Port-au-Prince. À terre, c'est pays. Nous, à terre. Je ne dis pas comprendre les administrateurs de Philippe à terre. Côté lié. Ce n'est pas en Haïti lié. Donc, nous-mêmes, nous créons un leadership collectif. Alors, vous comprenez la compréhension et Mounio, là, au balai d'ATA, donc il y a pas de manifestation dans Port-au-Prince, okay. Puisque c'est là, tout le monde là. Très bien, laissez-nous, ma pointe, ça va avoir tout coup, sous révolution castrisme. Et il commence en juillet 53, il finit en janvier 1959. 6 ans. De planification, 6 ans d'organisation, 6 ans de combat. Et pendant toutes 6 ans, c'est en 1959 là, oui,
Castro ici en plus rentrer la Havane. On va comme ça. Donc des monde qui a parlé qui pas jamais fait l'histoire même un jour. Et puis qui pensait que les politiques qu'on fait sans histoire, toute bagaille était dit déjà, toute bagaille était faite déjà, c'est revivre la prévision. Nous t'es fait 2004, c'est pénal où nous avons commencé. Nous faisons le tour du pays jusqu'à ce que le 29 février, et Aristide allait. Il y a des gens qui ont parlé, M. Delfort, qui ne peuvent pas nous leçon dans la bataille ça, parce que nous faisons déjà nos lignes, nos voyons. Et il y a des gens tout qui pensaient que c'est ton bataille, nous t'as fait, c'est pas peuple là, nous t'as pas fait. Donc, présent sous ATA, hier sous béton, et qui a continué, pour ton l'autre bagaille. Annoncer de l'autre nouvelle. Nous avons délivré le pays. Nous prenons engagement, concertation, nous avons fait à tous les niveaux. Nous avons rencontré tout le monde, dans la minute que je parle là. Nous avons rencontré tout le monde, et souper. Dans le micro là même, ma baille scoop là, la presse a nous fait faire. Mais c'est ça qu'on a dit pour la population. Pas occupé des questions conseil secteur. Pas occupé des questions CARICOM qui pensait le casine, fait Haïti, tourner en petit province de l'île, dans le pays, l'autre bord. Pas occupé de ça parce que les haïtiens sont peuple qui grand. Les haïtiens sont peuple, les révoltés, même sous vide de l'eau sous lui, côté le bras, les assez là le bras. Nous-mêmes, un réveil national pour la souveraineté d'Haïti. Signateur initiative. N'a fini là. Déterminé. N'a mené peuple à bon port. Et nous déterminé. N'a fait échec à projet CARICOM. Nous vous garantis ça. Avec peuple là. N'a fait échec à projet CARICOM. Et n'a imposé volonté populaire là. Mais là, nous t'as parlé de ça tout à l'heure. Tout bas, c'est fini là, oui. Donc, installation, c'est vraiment incessamment. Et, attendez. Que nous avons qui des gens induits dans la question d'installation incessamment. Je vous mets un système. C'est peut-être un groupe 7 qui a une volonté à courir. C'est question de groupe 7 qui a une volonté à courir parce que vous avez une place. Là, pour mettre un système, vous mettez installé, vous mettez réinstallé, l'écosystème dans chaviré, vous avez cherché trace, vous avez une bonne capte dans le courir. Même j'ai dit, yo choisi, yo besoin pour voir tout comme il est caché. D'ailleurs mais yo dit côté à fond une sur si peuple pas briser sur. D'ailleurs mais yo comme moi sort de pas capable machine pour sortir dans la rue. Pas intérêt pour des personnalités, pour un pile respect pour yo, en pile là-dedans pour trouver pour mettre tête dans situation comme ça. Yo dit un problème dans ce problème haïtien. Il pas trop tard pour yo, il pas trop tard. Il pas trop tard du tout pour yo renoncer à projet congé ça. Monsieur dame mais pas trop tard pour nous renoncer à cause, pour j'ai causé ça, pour nous rejoindre le peuple là. C'est pas pour ça que ça l'a dit. C'est pour ça que nous faisons de vous pour ces petits yeux nous-mêmes qui choisissent que c'est étranger, qui viennent nous faire préparer pour nous souffler tes propres haïtiens. C'est ça que fait la peuple là. Dans tout coin dans le pays, a lever camper, accompagnez-nous. Parce que nous-mêmes, nous avons un projet de vie pour chaque grand haïtien. Mais monsieur Dame Sayo, nous avons un projet de l'amour pour chaque grand haïtien. Parce que nous choisissons que c'est étranger pour humilier nous. Et puis devant bras fini pour me dire, quatre pas arrivé. Oui, on choisit au 7. Depuis qu'on est là, même blabré le chat dit, c'est où pour président, c'est où pour président. C'est un pour nous ne pas tuer l'autre temps, ça va passer là. Si il n'y a pas rien, il a gagné dans l'orbeille ça. Mais nous plus dans le discours, nous sommes plus dans le abîme, pour nous prouver nous sommes entités chaotiques, ingouvernables, et puis pour nous vivre pour nous mettre nous sous tutelle. C'est là le projet. Et en pile, non, nous sommes dans la couleur. C'est là, il y a un projet. C'est parce que nous sommes des méchants. Pour un petit poste, nous choisissons vanité, nous choisissons livre. Mais heureusement, nous avons des bons journalistes. Heureusement, peut-être la campée. Heureusement, nous là, comme défenseurs de la population, nous avons campé beaucoup de population pour que nous combattions le projet Diabsa que M. Damsa a gagné pour le pays. Merci. Merci DG. Voilà, c'était donc Jean-Tel Joseph. Oui, il continue à prendre la population, il faut aller le camper. Il y a mis des pieds à terre. Et bon côté que cassation nous tabzili, même yo continue à pas avancer.
et y a augmenté en nombre. Donc là c'est une autre phase, c'est vraiment bataille qui a continué. Nous sans transition, nous déjà fait inviter nos ouvriers. Oui. De rendez-vous avec lui, débat de gens tel fait parler ça pour nous connaître ce qui sa deuxième phase à lui-même lié. Maître Peggy Jean, nous content pour nous rejoindre nous matin dans Micro Vérité Radio et Télé Éclair. Bonjour, comment nous y est? Eh bien, monsieur, me saluer nous et me saluer toutes auditrices et auditeurs au moment de Micro-Vérité. Qui branché, je m'invite un peu partout à travers le monde. C'est une jeune émission, mais en si peu de temps, moi, nous envahis cadran parce que je suis sorti à Fonti Circule là, dans la zone d'Elma 31-33. Donc, je suis en pile speaker qui branché sur Micro-Vérité. Me saluer nous, monsieur, son plaisir. Merci. Pour nous échanger ensemble sur la situation pays. Bon, et. Ça fait 10 ans, nous battons nous. Nous parler. Nous mettre pays. Où est-ce que mon cher, pays a une situation pour le moins désastreuse. Ah, c'est difficile. Je ne pas dire non période d'observation parce que un citoyen avisé pas arrêté dans l'observation. Donc c'est dans l'action pour arrêter. Naturellement, il y a plusieurs formes d'action. Bataille-là, il y a plusieurs formes, mais nous constatons que de 86 à Jodia, nous assistons à des querelles intestines pour la prise du pouvoir et pour la conservation du pouvoir. Regardez pour vous. De 7 février 1986 à Jodia, Met Telfort, c'est pratiquement des luttes intestines pour la prise du pouvoir et ou pour la conservation du pouvoir. C'est nous traverser une grande période de turbulence politique, sortir dans CNG, Henri Nanfi, tombé sur Atatouyo, élection Jean-Bertrand Aristide, 8 mois plus tard, soit le 30 septembre 1991, Jean-Bertrand Aristide prend coup d'État, ou pour aller gagner des transitions avec Néret Honora, Mac Bazin, etc. Après, on prend un retour à l'ordre constitutionnel avec Jean-Bertrand Aristide, etc., etc. Donc, le pays a traversé en pile période de turbulence politique. Nous toujours dans Goumer. Nous toujours dans Goumen pour prendre pouvoir ou bien pour conserver pouvoir. Alors, ce n'est pas ça qui est grave là, non? Si nous sommes dans l'étymologie, dans la conception terme même, parce que John Locke au XVIIe siècle, dit-nous, tu as parlé de la mission régalienne de l'État. John Locke t'a déjà dit au XVIIe siècle que le gouvernement n'existe que pour être au service des dirigés. Donc, unique raison qui fait que citoyens, en communauté, yo forment une structure qui est le gouvernement, c'est justement pour garantir bien-être. Mais nous voyons que, malheureusement, accéder au pouvoir, nous considérer comme une occasion de s'enrichir aux dépens du trésor public. Donc, ça veut dire, c'est à dire une occasion de se mettre au service des plus faibles. Mais nous-mêmes, dans conception nous de l'État, donc nous assouter l'État, c'est à notre profit personnel et nous, au profit de nos petits amis, de notre clan politique justement, et c'est ça qui mène Haïti dans la situation que nous sommes aujourd'hui à la côté que pratiquement pas de la vie. La situation est très 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 compliquée. Ou même comme juriste, comme avocat, homme de loi, et qui connaît l'administration, qui fait expérience comme journaliste, ou comme pays, ou comme mounio, qui j'en vais regarder bah, là, qui lecture de sa capacité? Parce que là, nous, en phase, et côté que vous connaissez déjà, docteur Ariel Henry pas là, puisqu'on m'a déjà passé, bataille pour remplacer là, jusqu'à présent, il n'est pas clair. Il y a plusieurs propositions sous table là, il y a des gens qui sont dans CP, conseil cette tête là, il y a des gens qui sont dans Philippe, il y a des gens qui sont dans cassation. Là, vous sentez bien là pour l'autre dimension par rapport à ce que vous avez parlé là, non, l'autre niveau net que nous pas dire, Absolument. Je pense que son société qui est très divisée. Et acteurs yo pas arrivé à entendre autour du bien collectif parce que c'est pas l'intérêt de la collectivité qui guide yo, c'est des intérêts de clan. Et on peut remarquer que chaque acteur a essayé de tirer ficelle là dans le sens parli, et parce que justement donc pouvoir là toujours été un espace de jouissance. Par exemple en 2021 Met Telfort, en pile monde te croit que situation que pays a été sous Jovenel Moïse sous prend mois mai 2021 bien avant 6-7 juillet ou tu as comme l'impression que Haïti pas de descendre plus bas encore tellement situation était grave. Mais environ 3 ans après
Oui, après le départ ou bien l'assassinat du président Jovenel Moïse, eh ben nous assister à une dégringolade qui vraiment accéléré. Donc situation vient 10 fois plus grave que j'en étais sous Jovenel Moïse. C'est vrai. OK, effectivement, trois éléments qu'on peut ou soit mettre en exergue, c'est trois offres politiques qui est aujourd'hui. D'un côté, il y a Guy Philippe, que on monde aime Guy Philippe, que on monde pas aime, faut qu'on d'accord que Guy Philippe jouit d'une certaine sympathie au niveau de la population. Il y a un peu de monde qui bien ouais Guy Philippe, quel que soit son takadi sous passé li, mais pour le moins c'est un homme courageux. Hein, n'importe monde lucide à reconnaître ça. C'est un haïtien Guy Philippe, c'est un haïtien, hein. C'est un haïtien. Maintenant ça c'est un off. Au grand deuxième off qui c'est la Cour de cassation, que gagne des monde qui adepte de la Cour de cassation qui croit que au lieu d'aller dans ça y aurait les couleuvres cette tête là alors mon dieu peuple là qu'on façonne les débats yo et que ah oui alors ça arrive naturellement dans un premier temps ouais que la communauté internationale a très poussé sous question conseil de transition non senti parce que même leur gouvernement sortant a fondé la trois pas oublier c'est des monde qui a genoux devant blanc voilà ça voilà. Veut dire pas gain courage vous c'est pas le cap ça veut dire depuis blanc veut moi me dit ça ça disait ça depuis si ouais sortir les couleuvres cette tête ou bien conseil de transition pas monter ou bien pour monter sont seul monde qui capable pas veut le monter ou bien pour le monter il aurait le blanc. Pas occupé de nègres ou qu'a fait poser des conditions, il faut un cadre conceptuel. Non, yo, tout c'est des de soumis, c'est non, ça c'est blanc, c'est ça pour c'est blanc. C'est... Non, c'est des monde peut-être qui besoin font petit temps toujours pour yo bon, malheureusement c'est le cas pour continuer piller qu'est-ce l'état pour continuer piller tirer ce qui était etc. C'est pas des monde qui ouais pays vrai. Cependant, c'est pas des monde qui ouais pays vrai et nous sommes ouais pendant les trois dernières années. Cependant, il y a un élément faut que nous dise tout. Moi-même, je ne suis pas certain que la question du conseil de transition, c'est quoi le résultat. Ou regardez même au sein d'un même parti politique, comment il y a une divergence de vue sur des questions d'intérêt général. Le rejoint cette nègre-là, qui chaque sort de son côté, il n'y a pas même sort de son côté, non? Parce que 3-4 groupements proposent un nègre. 3-4 groupements qui ont déjà une divergence de vue entre eux proposer un nègre. Donc, pas étonné sous que là, conseil a installé là, et puis c'est coup de chaise qui a voué, nek qui a cassé tête, nek avec coup de chaise, etc. 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 Faut que moi dise que ma position de citoyen, c'est que pour moi-même, la cassation serait la meilleure formule. Pour moi-même. Pour moi-même, ok. Pour moi-même, la cassation serait la meilleure formule en ce sens que il fait appel à un grand monde. Parce que nous parlons cadre constitutionnel et légal. Parce que la Constitution n'a pas prévu que nous prenions vide ou prenions une situation, pas de président, toute autorité de facto, pas de parlement, pas de quelle institution qui est là. Et même si SPJ a comme pouvoir en charge de l'administration et de la discipline du pouvoir judiciaire, nous connaissons les conditions, nous avons monté le plein problème partout. Donc son pays, sur le plan institutionnel, qui a joué nous pratiquement. Bon, c'est malheureusement c'est là nous arrivé et là, et. Monsieur Damio, tu as dit c'est sans frein. Il n'y a pas avancé. Dans le contexte qu'on a pour yo al prend pouvoir, qu'on a parlé là de moun CPO, avec ensemble de groupes, ça, yo accord ça, qui vivent mettre tête yo ensemble, quand même, puisque c'est sur la demande du blanc. Ou senti que pendant pays en agonie, qu'on a peuple sans espoir, moun yo, yo pas conscient de réalité. Comme si chaque moun kap goumè yo, ou senti yon conscience, yon souciance, yon moun sa yo. Entre eux même population, c'est comme si gon mur qui sépare yo. Gon bagay qui mette yon l'autre côté, yon non l'autre monde population même à terre dans situation difficile que n'a connaissé n'a vivre là mettre Begijan. Absolument. Là on soulève une question fondamentale, c'est une population qui désespérée et là on prend acteurs qui sous terrain, quasi totalité acteurs qui sous terrain à un niveau où yon l'autre yo té au timon des affaires de l'État. Et yote bafre population. Ça veut dire son population qui déboussolé. Je dis à M. Telfort, sous chaque 10 jeunes nous rencontrés, on nous dit sous chaque 100 jeunes nous rencontrés, 98 ont un seul objectif, oui. Quitter le pays, laguer pied, jeune monde qui applique un vieux Biden pour eux. Moi-même, pas contre combien de jeunes qui relèvent. Qui dit, mais pas pour monde qui a appliqué pour moi, bagaille ça, etc.
Parfois, jeune fille, on jeune fille qui a 22 ans, qui a 23 ans, qui est à l'université, il n'y a pas espoir encore. Il n'y a pas espoir encore. Et même son tadil, il y a certains des amis aux États-Unis qui ont appliqué pour vous, mais ils ont manqué sérieux. Ça arrive, ils ont demandé aux femmes. Il y a même si ils ont placé avec eux. Il n'y a pas de problème pourvu que vous aidez, vous quittez Haïti. Et la vie, vous avez expérience là. Mettez le fort pour tout auditeur qui attendait, puisque son émission très prisée. La société arrive dans le niveau ça. Côté la jeunesse, pas quoi. Pas quoi avenir dans le pays. C'est le désespoir. Pas de société encore. Parce que, on met prend le nom 4 micro au sein d'un foyer. Le papa a levé matin. Il y a madame qui là, il y a trois timounios qui là, ou bien quatre timounios, pas qu'on est. Et puis, pas un chaudière qui lui met dans du feu. Le papa a levé le sorti. Il symbolise l'espoir, oui. Il symbolise l'espoir en ce sens que là, il retourne dans l'après-midi. Mais on peut rentrer, même un sachet pain, ou bien même un petit mamie de à mettre dans du feu là, papa a rentré avec un petit mamie du riz. Ça veut dire, il symbolise l'espoir de le déplacer. Mais le papa a lui même tout. Il croise pour le même genre petite fille là qui a 18 ans qui chita là, même genre maman qui mette main lampe à ma chouette. Donc pratiquement pas gain l'espoir. Donc ceux qui nous ont dirigés pendant les 30 dernières années, mais qui t'aime pendant les 15 dernières années de Matéli, c'est une catastrophe. Sous Jovenel, c'est une catastrophe. Sous Ariel Henry, c'est une autre catastrophe encore. On prend pendant ces. Bah, on est de Matéli 2011, c'est ça, 2012. On prend de période, ça ajoute. Le pays a perdu l'espoir net. Ils ont tout fait pour assassiner l'espoir de toute une jeunesse. Et bien, c'est ça qui mène à nous là. Donc, je dis à tout objectif, une jeune fille, un jeune garçon, c'est à tout prix quitter le pays. Moi, je ne sais pas combien de monde qui relève, qui dit, mettre qui sont qu'a fait pour nous. Bah nous, on est dans le cabinet comme référence, etc. Comme jeunes, nous besoin de quitter le pays. Bah nous, on a des subventions, etc., etc. Donc, son pays n'est qu'à tuer l'espoir dans le pays, pratiquement. Donc, malheureusement, c'est dans la phase à nous là. Et pas plus tard, où est-ce qu'on va parler là? Et au cap haïtien, où est-ce qu'on va annoncer là? Avion pour aller avec. Oui. Et bah, déblos à qui passe dans le cap, non? Et jusqu'à minute n'a parlé à mon cap sorti dans province met pegi cap débarquer au cap courir à regarder si occasion dans roulibri. Oui, absolument, parce que c'est le désespoir. Moi même songer et en septembre 2005 comme journaliste Radio Caraïbes, j'étais présentateur en masse, reporter. En septembre 2005, j'étais parmi les deux journalistes, c'était moi-même et Héros Jean-François, Jean-François et moi. Donc, nous avons fait partie d'une délégation qui a gagné Gérald Latortu comme premier ministre, notamment dans les Nations Unies, New York. Là, ça, moi-même, j'étais jeune journaliste dans Radio Caraïbes. Nous sommes en septembre 2005, hein? Septembre 2005 à aujourd'hui, donc c'est 19 ans quand même. Ouais, ouais. Et puis, l'homme arrivé dans les Nations Unies, New York, et puis Gérald Latortu dit, comme ça, oh, pas de famille ici. Je dis, maman, c'est Brooklyn, maman, oui. C'était peut-être deuxième voyage aux États-Unis. Je dis, maman, c'est Brooklyn. Il dit, mon cher, alors, il m'a parlé, il a venu. Ça veut dire que Nations Unies, c'est Manhattan, New York. Donc, Brooklyn, c'est à une heure de temps, 15 minutes de Manhattan. Et puis, Malé ou Kaimamam. Malé, Kaimamam, l'homme arrivé. Maman me dit comme ça, putain, pourquoi ils ne sont pas arrêtés et tout? 2005, oui, mais tout. Je me dis, maman, son visa, un homme gagné, maman, je ne peux pas arrêter si je suis illégal. Il dit même tiens bagaille grave là Haïti parce que nous sommes sortis dans opération Bagdad. Ouais. OK, etc. Bon peut-être le sortir ou t'es plus jeune. Et puis me dit maman pas arrêter, faut que moi retourner. Me dit maman, maman si m'a abandonné, mais qui est-ce? Me dit si tout le monde a abandonné Haïti en septembre 2005, on m'a parlé. Ça veut dire 19 ans plus tard, m'a dit qu'on y a là m'a dit tête moi est-ce que m'a pas fait un mauvais choix? OK. Ou bien choix ça que m'te rejeté il y a 19 ans. Hein? Est-ce que c'est pas de bon? M'te dans jeunesse moi qu'on y a net dans demi-siècle. Est-ce que c'est pas le meilleur? Et m'a dit tête moi est-ce que m pas pris dans situation côté m'obligé je fais choix ça. Choix ça m'pas de faire il y a 19 ans. Oui, m'te gain toute jeunesse moi etc. Et cetera qu'on y a pas grand pile grande cartouche qui est encore à 50 ans. On met dans pile milliers à lui. Ah, mais ton petit bail toujours, mais pas de problème si c'est toi qui le dis, c'est vrai. Donc c'est ça, pas contre c'est comprendre quand même. Oui, pas contre c'est comprendre qu'on y a là choix que me pas de faire il y a 19 ans et puis me presque arrivé dans situation qu'on y a là. Ah, mais poser à vous même.
Ou a dit, mais waouh, j'en ai dû apprendre la pays à la, etc. Obligé de faire si mon aller, etc., etc. Donc, est-ce que ou pas obligé de penser à un choix comme ça? Mais jusqu'à présent, moi-même, j'ai eu l'audace pour m'en donner un jeune rester dans le pays. J'ai eu l'audace pour me faire ça encore. Même, je fais partie quand même de monde. Moi-même, avoir tel fort, et avec un confrère qui avait où, nous faisons partie de monde qui voulait rester toujours et qui a boumé pour nous, si nous arrêter toujours. Mais franchement, ils ont tué l'espoir dans ce pays. Donc c'est ceux qui nous ont dirigés pendant les 15 dernières années, c'est triste, notamment. C'est triste. Et nous arrivons dans Kafoussa à côté, moi t'as dit le matin, hein, son possibilité pour nous défendre camper, machine, fond camper, pour nous défendre Chita, Génangé, pour nous garder les problèmes en face, pour nous dire vérité, pour nous identifier les problèmes ensemble. Mais là, c'est même bataille, là, j'en t'ai dit d'ailleurs, cap continuer. Et pas gagner comme entente, ou t'as cap dit qui rivé charrier, revendication population. Hein. Et ou même, ou dit que ou quoi que cassation, c'est ta meilleure option, hein, qui t'es cap à nous. Est-ce que nous parler de solution en vrai? Ok. Moi pas. Ok, bon, moi plus explicite. Moi pas contre question conseil de transition, d'autant plus que moi. Nous sort deal avec ancien DG RPTG. Hein? Oui, ANAP et monsieur Jean-Tal Joseph. Les carottes sont presque cuites pour que vous arriviez dans la transition, même sous senti gonti dilatoire au niveau de la communauté au niveau du gouvernement. Et mais nous comprenons lui, c'est pas l'intérêt de la collectivité qui motive dilatoire là. Et au niveau de l'international, tout au niveau senti au tapissuré, le gouvernement senti que au fond un petit relâchement. On ne connaît pas le plan de l'international pour Haïti. Bon. Ça veut dire sans constater qu'il y a comme relâchement ou qu'attendez un monde qui porte gouvernement dit que il y a tel point crité pour travailler sur dans tel bagaille, ça peut faire partie du projet. OK? Projet A, c'est un projet que nous autres haïtiens que n'a piloté. C'est un projet piloté par l'international. Et qui nous concerne, bien entendu. Malheureusement, hein. Ou même, cassation, t'es capipassable en ce sens que, il y a un pile chance que le conseil présidentiel que vous voulez mettre a pas de résultat. Ça veut dire qu'il y a un pile chance pour nous déboucher sous conflit, soit parler de nek cap crasé chaise dans la tête. L'autre semaine, là, nek cap crasé chaise dans la tête, nek là, dans le palais national. Son petit palais, moi. Exactement. Donc, il y a une possibilité, ça. Cependant, moi-même, quand tu as amélioré le consensus, moi-même, comme ça, je l'ai dit, me respecter. Ça veut dire si société est arrivée, c'est conseil de transition pour venir. Je ne suis pas un acteur politique. Donc, je ne vais pas prêcher dans le désert en ce sens que je parle de cassation pendant que moi, je ne sais pas. Mais, quand vous voulez, si vous regardez l'entité quand dans la question conseil de transition, vous avez un peu. Allez numérer chaque grain représentant pour elle, représentant deux, trois structures. À part de famille Lavalas qui représente famille Lavalas seulement, à part de Petite Dessalines qui représente Petite Dessalines, quasi totalité de l'autre, c'est des regroupements, plusieurs regroupements à la fois. On nous prend aider, et qui vient aider, compromis historique, qu'on l'autre encore là-dedans, etc. L'aide, etc. Donc, moi, je ne suis pas contre, mais ma position de citoyen, c'est la cassation. Okay. Ma position de citoyen, mais je ne suis pas un acteur, etc. Donc, en tout cas, moi-même, ça que je t'arrête. Donc, vous pensez que c'est cassation qui a aidé nous sortir plus vite dans ce pays-là? Ma position de citoyen, c'est la cassation. Ma position de citoyen. Mais ça qui est important pour moi, si acteurs ont estimé que c'est conseil de transition, moi-même, son retour à la stabilité, nous besoin qu'à vivre. Imagine, on mettre là comme avocat. Mon avocat n'est pas au Port-au-Prince. J'ai un cabinet d'avocat à Pétionville. Mais c'est tout un affaire en province, notamment dans le plateau central. OK, sans compter intérêt que j'ai dans le plateau central. L'autre intérêt que j'ai dans le plateau central, même si c'est mon wana met. Mais maintenant, est-ce que je risque de vivre passer mon cabrit? Question de temps, des messieurs du mettre passer. Mais non, je ne sais pas qu'il a changé l'idée maintenant. Mais en réalité, nous tous là, ni moi, ni moi, ni moi, ni vous-même qui parlez là, ni l'autre confrère, nous sommes des kidnappés. Oui. Confrère Désir. Nous pratiquement, c'est des kidnappés, nous y parce que nous, parce que en nous garde combien de kilomètres carrés espace que vous gagnez pour circuler. Ou pas qu'à souquer à gauche, ou pas qu'à souquer à droite, ou pas qu'à faire matissant pour traverser, même pour aller en famille qui font Tamara. Ou pas qu'à traverser Bon Repos, même pour aller là, côté des Acadins. Ou pas qu'à traverser
mon cabrit pour le plateau central. Ou pas qu'à fond pas. Ça veut dire, ou justement, pas non, mais on individu, mais ou de, nous tous c'est des kidnappés parce que marge de manœuvre, nous, espace physique que nous circulons là dans l'an, il est très très restreint. Il est très très restreint, justement. Donc nous sommes tous des kidnappés. À un certain niveau, hein. À un certain niveau. Maintenant, donc moi-même, qui ça qui est priorité comme professionnel? C'est le retour à la stabilité. Ouais. Nous besoin que le pays a gagné un minimum de sécurité qui permet de nous fonctionner. Nous besoin que l'institution recampe. Hein? Regardez coup de compte, mandat, tout le monde fini là. Mandat tout fini dans le mois d'avril. Il y a un mois là. Il y a un mois jusqu'au 7 avril. Là encore, c'est contraire à la loi. C'est contraire à la loi. Justement, donc vous gagnez. À tous les niveaux, il y a des autorités de facto, ou pas des ministres, ou pas des premiers ministres, ou pas des ministres. OK? Parce que les gens qui sont là, ils ne répondent pas à critères pour les ministres. C'est vrai. Parce que pour ministre, il faut passer devant le Parlement. Il faut que le premier ministre qui présente okay, une politique générale qui doit ratifier par les deux branches du Parlement. Le Parlement sanctionne la politique générale du gouvernement, c'est laisse au ministre. C'est ça qu'il n'y a pas ministre. Ça veut dire que nous situation de. Dans nos situations, nous, c'est contraire à la Constitution, c'est contraire à la loi, ça n'a vive là. Donc, naturellement, ce n'est pas un consensus pour nous sortir, pour que l'institution soit capable de retourner à, sous pied et pour payer à reprendre la normalité constitutionnelle. Bon, c'est un consensus, mais l'obligation.